Et bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui sur Marvel Spider-Man sur PS4 Pro. Donc ça sort aujourd'hui le 7 septembre, j'allais me tromper de mois. On va laisser comme ça, non on n'inverse pas, oui mode d'écoute machin, on va mettre les sous-titres pour la vidéo. On va continuer. Et donc on est sur PS4 Pro. J'avais fait un let's play du The Amazing Spider-Man 2 à l'époque sur la One. Bon, c'était pas un méga jeu, mais ça va, c'était pas trop mal quand même, c'était pas pourri. Donc, on va voir ce que donne celui-là. Alors, vous m'excuserez d'avance si on entend le petit derrière, mais je sais pas ce qu'il se tape comme délire là, mais il a l'air de s'amuser. Donc, on va voir ce que donne le jeu. J'espère qu'il va bien démarrer, parce que tout à l'heure j'ai eu une petite erreur. Le jeu a coupé, il y a eu une petite erreur. Donc, je sais pas. J'ai pas lu ce genre de truc. Ah. Bon, on se parle après la cinématique. Toutes les unités, mobilisation de niveau 4, emplacement tour Fisk. Fisk ? À la tour Fisk, toutes les unités en stand-by, attente de mandat. Ah, donc, attendez, on prend la main, tout de suite. Ah, il faut le maintenir, ok. Après, faut sauter au bon moment. Ok. C'est beau en tout cas. Et j'ai dû couper le HDR pour les besoins de la capture parce que sinon ça me fait merder les couleurs. Mais déjà là c'est beau. Hein. Quand même. Ça n'a rien à voir avec le précédent. Hein. Ça fait 8 ans que j'attends ça. Vous voulez m'aider ? Allez à Times Square. On dirait que ces hommes essaient d'empêcher quand même, hein. Le précédent était pas complètement dégueu, mais c'est vrai que c'était pas méga beau non plus. Là, c'est quand même vachement plus beau. Et j'imagine ce que ça va donner quand je vais remettre le HDR tout à l'heure. Allô, Peter ? Parce que je pense que le jeu le gère. Je ne sais pas. J'ai pas regardé en détail. Sur PS4 Pro. Un problème personnel. Pour ceux qui demandent, c'est une exclue, hein, évidemment. Pour le coup, là. Pour être à l'heure à mon vrai job. Celui-là, il sortira pas sur One. Mais de toute façon, je vais avoir d'autres jeux à vous faire sur la One dans les jours à venir. Bon, pour l'instant, ça se fait plutôt bien. Thank you.
vais pas couper le micro à chaque fois parce que visiblement les cinématiques sont vraiment incrustées au jeu et à chaque fois ça fait un bruit quand je remets le micro en route qui est pas super agréable pour ceux qui ont un casque. Mais je vous ferai plusieurs vidéos. Je pense. Enfin, je vous en ferai une deuxième. On va se faire une découverte tranquille là. Comme d'habitude, on va faire maximum 35 minutes, je pense. Et je vais avancer dans le jeu et je pense que dans les jours à venir, je vais. D'ici dimanche peut-être, je vous referai une vidéo où je pourrai un petit peu donner mon avis, où j'aurai un peu avancé dans le jeu. Donc ce sera peut-être un peu plus intéressant. Qui veut une tasse de café bien frappé ? Sens d'araignée, machin, ok. Ouais. Après. Voilà, le système de combat, ça fait un petit peu comme. Ah ouais, ça c'est pas mal. Par contre, on peut interagir avec les trucs du décor et tout. Putain, c'est. Franchement, le jeu il est plutôt beau, hein, vraiment. Des beaux effets de flamme et tout. Ouais, il y a pas mal de combos, de trucs à réaliser, et puis je pense qu'on va en débloquer aussi au fil du jeu. Spider-Man, où en êtes-vous ? Presque fini, et vous ? On est sur le point d'entrée. Me dépêche ! J'ai hâte de voir la tête de Willy quand vous lui passerez les menottes. Je pense en plus ouais, qu'il va y en avoir d'autres, des combos, alors je suis désolé, vous allez m'entendre matraquer la manette. Mais j'aime bien en plus, j'aimais bien déjà dans le The Amazing Spider-Man 2 le système de combat. Donc là... Ah, pour lui patater la gueule. Ok Yori, c'est bon. Qu'est-ce qui se... Putain, ça explose. Hein. Yori ? Yori ! Après, comme d'habitude, hein. Dites-vous que le jeu, il sera bien plus beau en vrai que sur la capture. J'ai les compressions de la capture, les compressions du montage, les compressions de YouTube, même si j'essaye de tout compenser au maximum pour en avoir le moins possible, il y en a quand même. Et enfin, si vous jouez comme moi sur un écran 4K HDR, ce sera nettement plus beau en vrai, évidemment. Et bon, si ça peut vous donner une idée du jeu, déjà du gameplay, de à quoi ça ressemble, de... un peu de ce qu'il faut faire et tout, c'est pour ça que je vous referai une deuxième vidéo, parce que à mon avis, là ça va être beaucoup de cinématiques et tout. Et verrouiller l'espace aérien. Et tout va bien ? S'il arrive à sortir du bâtiment, on va le perdre. Du coup, je vais Et dans une deuxième vidéo, on pourra peut-être faire des quêtes annexes et se balader un petit peu dans la ville, quoi. C'est pour ça. Et puis je pourrai commencer à vous donner mon avis par rapport au précédent, peut-être. J'augmente le compteur de concentration. Vous okay. Mais vous contrôlez rien du tout. Il va tout faire foirer. Oh, merci pour le soutien. Ça me touche. Voilà, je me fais aligner quand même. J'avoue, on a intérêt de vite esquiver parce que ma vie elle est bien descendue. Déjà. Alors, je sais pas s'il y a un système qui l'a fait remonter ou quoi. Comme dans beaucoup de jeux maintenant, ou dans tous les jeux, même on peut dire maintenant. Hein. Je sais pas s'il y a ce genre de système, mais parce que ma vie elle est bien descendue déjà. Hein. Qu'est-ce que ça veut dire, profiter ? Bim. Pour vous soigner, d'accord. Bon, bah,
On sait donc à quoi sert la jauge de concentration, elle sert à se soigner. Bon, bah, on a la réponse par rapport à la barre de vie. Il faut que je m'occupe des tireurs. Yeah. Ça ne remonte pas tout seul. Il faut se soigner. C'est pas mal ce petit système de combat. Après, il va falloir maîtriser le truc, mais c'est pas mal. Je crois que c'était le dernier. Je vais dire, est-ce que lui, je peux pas le frapper? Mais non. Ils ont bloqué les ascenseurs. Par les escaliers. Je préfère une approche plus directe. Spider-Man, au rapport. Je suis en train de monter, en priant pour que personne ne prenne l'ascenseur. Nos hélicos ouais, c'est plutôt pour, j'avoue, si le jeu gère le HDR, ce que je pense, hein. Quand je vais le réactiver, avec ce genre d'éclairage et tout, là, de petits effets et tout, je vais en prendre encore plus plein la gueule. On vient de capter un message. Ils sont en train de vider leur serveur. Il nous faut ces preuves si on veut le faire tomber pour de bon. Ok, cap sur les serveurs. C'est Tante May. Il vaut mieux que je réponde. Salut Tante May. Qu'est-ce que c'est que ce bruit? Je regarde un film de super-héros. Qu'est-ce qu'il y a? Je voulais m'assurer qu'on dîne toujours ensemble demain soir. Bien sûr! Écoute, je peux te laisser! D'accord. Moi aussi! Allez, bim! C'est pas immortel! Non, mais. Par rapport à toi. Peut-être pas immortel, mais bon. Ouais, donc là, en fait, une fois qu'on les tient. Qu'on monte encore. Ah, oh, regardez, un petit bug. Ah, on peut faire ça aussi, donc, avec la barre de concentration. Ok. Oh là là, oh là là. J'étais pris en gangbang un petit peu. Ah ouais, ça rigole pas quand même. Hein. Comment il peut nous battre? Allez, au suivant. Ah ouais. Faut faire attention quand même. Hein. C'est pas le jeu où on peut bourriner n'importe comment. Que je les tienne un peu plus à distance, genre isolé. Parce que là. Allez, au suivant. Quand ils viennent tous en groupe, là, faut faire attention. Alors, tu remplaces les choses derrière ? C'est pas mal, tous ces petits combos, même avec la concentration, tout ça, là. Il faut que je trouve ces serveurs avant que l'épreuve ait disparu. Par là, ils détruiront toutes les preuves. Mieux de chercher un accès discret. Et voilà. Hop. Je rentre pour bonne conduite. On va passer par la bouche d'aération. Fisk est peut-être un sale criminel, mais sa ventilation est hyper propre. Faut que tout disparaisse. Ils peuvent pas aller plus vite que la machine. Ah, c'est pas mal ça. On est à la moitié. Encore une minute ou deux. Moi j'ai fini sa bournette. T'inquiète pas de ce qui va tort. Est-ce qu'il faut que je continue d'avancer? Non, non. Si je... Bah, si, ouais, faut que je descende par là, je pense. Ouais.
C'est le service technique? J'ai oublié mon mot de passe. C'est normal. Ne laisse pas approcher ta console. Chopez-le. Hop là, attention. Oula, ouais, je vais me soigner. Il faut que j'accède à cette console avant que tout soit perdu. Est-ce qu'on va réussir? On va tester l'efficacité de leur sécurité. Oh, vous avez oublié d'installer le dernier patch. Se cacher dans la salle des serveurs, c'est lâche, même pour toi. Hey, c'est pas moi qui efface vite fait mon historique de recherche. Après toutes ces années, tu n'as pas changé. Tu es toujours un gamin naïf. Hein? Mais c'est ce qui fait mon charme, non? Mais il y avait déjà Fisk dans le Amazing Spider-Man 2. Oh, tiens. Enfoncez-moi cette porte! Il faut se taper contre lui à un moment donné. Regarde autour de toi. C'est mon œuvre. Qu'est-ce que tu as accompli, toi? Eh ben, une fois, j'ai arrêté un gros criminel prétentieux avant mon petit déjeuner. Sans moi, la vermine que je tiens en laisse va se répandre. Oui, c'est vrai que lui veut faire des systèmes de sécurité de ouf et tout. Je suis presque triste que ça s'arrête. Loin de là. Dans ce cas, prépare-toi bien pour la suite. Y'a aucune chance pour moi. On va se soigner. Yori, une explosion à... J'ai vu. Fisk a pu piéger tout le bâtiment. J'envoie une unité de déminage. Je ferai en sorte qu'ils aient le champ libre. Tuez-le, passons à notre peau. Je ne peux pas le frapper en l'air. Mais ça n'est pas. Même les feux d'artifice. On en a encore plein, ce temps. Allez, double esquive. Ouais, c'est plutôt sympa quand même. Après, faudra voir si le jeu se répète pas trop. Apparemment, il y a une bonne durée de vie. C'est bon, on y va. Salut les gars. Les bombes font partie du plan de Fisk pour fuir. Faites coincer. Occupez-vous d'eux. Nous, on se charge des bombes. Au secours! Tout le monde dehors! Évacuez le bâtiment! J'ai entendu d'autres personnes par là. Je les trouverai. Bon, elle a entendu des gens et elle dit. On est coincé. Ah oui. On peut pas bouger. Je vais les soulever. Dès que possible, foncez. Si vous pouvez, aider les blessés. Compris? Allez. Faut mitrailler la touche. Allez. Allez. Ça vibre fort, là, la manette qui nous. Je pars à Woody. J'arrive. Spider-Man, c'est Yuri. Comment ça va, capitaine? Ça pourrait aller mieux. Nos hélicos ont souffert. On a dû rappeler le dernier. Si Fisk appelle un hélicoptère, on n'a rien pour l'empêcher de se poser. Et on n'a rien pour le poursuivre s'il décolle. Pourquoi j'ai l'impression que c'était son plan depuis le début? Parce que c'est sûrement... Bah sûrement, oui, voilà. Il est loin d'être con, ce petit fils. Non. Comment il s'appelle? Wilson? Yuri, faites monter les secours, vite! On essaie. Lance Rocketman. Attention! Mais attends, lance Rocket, tu vas l'arranger, mon pote. Ça. Oh là là. Encore des roquettes? Ça fait pas un peu beaucoup? Hey. Tu
roquette ou quoi? Wow. J'ai réussi à passer ça. J'allais par là, sûrement. Ouais. Patience, il y en aura pour tout le monde. Tiens, coûte-moi ça. Avec ça, tu vas la mort. C'est bien, regardez, on peut envoyer un ennemi dans un autre. Les démineurs doivent être quelque part devant. J'espère qu'ils vont. Ça, c'est bien fait, je trouve. On va pouvoir se soigner un peu. Vous allez bien? On était sur le point d'appeler des renforts. Eh ben, je suis là. Passez devant. On sera juste derrière vous. Attention, chef. Alors vous fricotiez avec Fisk depuis le début? Ah, j'ai l'image dans la tête maintenant. Votre plan n'a pas marché. Place au plan B. Vous prenez une dérouillée. C'est pas mal, ce petit système de tacle sous les jambes. C'est pas mal. Toi, tu me saoules avec ta mitraillette. Tiens. Hey Yuri, on dirait que certains de vos hommes bossaient pour Fisk. La bonne nouvelle, c'est que c'était le dernier rempart de Willy. Je suis devant son bureau. Arrêtez-le, maintenant. Avec plaisir. Eh ben, on va aller voir ce qui se passe. Ça va pas être si facile, hein. On écrit ses mémoires? Oublie surtout pas le tirer entre Speeder et Man. Préparez l'hélicoptère, ce ne sera pas très long. Je suis surpris que t'aies pu venir jusqu'ici. Mais tes pitreries s'arrêtent là. T'es conscient que je te vois toujours là? 8 années de cette insolence. Alors, on n'est pas bien. C'est pour moi? Fallait pas? Je dois attendre le bon moment. Ça recharge. Oh là là, oh là là, oh là là, oh là 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 là. Ok, maintenant. Bah, j'aurais bien aimé maintenant, mais ça n'a pas marché. Et c'est le moment. Qu'est-ce que tu fais? Bah, j'explose ta tourelle, mon pote. Faut que je bouge le canon. Comment c'est possible? Eh ben Willy, t'as pas l'air content? Je vais t'aplatir. Ouais, par contre, Fisk, on peut dire ce qu'on veut, mais il a des couilles, parce qu'à chaque fois, il se barre. Taps, c'est une ouverture. Oh. Je me rappelle, dans le Amazing Spider-Man 2 aussi, il était... Il était assez costaud.
Je vais en finir. Fallait pas me chercher. Voilà, allez. Comment il est costaud, je trouve, parce que c'est pas un mec qui a des pouvoirs, il a rien de spécial, en vrai, il est juste costaud, quoi. Tu représentes tout ce que cette ville a de pire. J'allais dire la même chose de toi. Vous savez quoi faire. Allez, encerclez-le. Ah putain, et puis comme dans le jeu à l'époque, Amazing Spider-Man 2, évidemment, il est pas tout seul. Putain. Vous êtes formés au combat. Battez-vous. Insupportable nuisible. Je reviens. Je perds pas le fil. Oh putain. Je ne veux pas entendre d'excuses. Pourquoi je vous paie? T'as rien à faire là. Oh là là, et en plus quand il touche, il fait très très mal. Je peux te défendre tout seul. Oh là 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 là, j'ai plus de vie. Casse d'ici. Trop tard. Bon, je me suis fait éclater. Mais là, il a beaucoup de monde autour de lui. Il faut éclater tous les gens autour de lui pour réussir à le niquer. Il est pas loin à chaque fois, il est pas loin. Oh là là, non mais vous avez vu le coup qu'il m'a mis? Ce qu'il m'a enlevé comme vie? Tu ne comprends toujours pas. Bon, je ferai des coupures si je crève trop de fois. Non mais laissez-moi tranquille. Wow. J'arrive à m'envoler un petit peu. À prendre un peu de recul. Yo! Non!
Je crois que je vais faire ça. Pour essayer de récupérer de la vie déjà. C'est que là, s'il met un coup, il fait tellement mal. Assez gentil parce que j'ai pas appuyé. Pile en bon moment, ça a marché quand même. Je vais boxer sa gueule. Alors, c'est là qu'on s'embrasse ? Bon. Et je pense qu'on va bientôt s'arrêter là pour cette vidéo, mais on va s'arrêter là. On va voir ce qui suit derrière la petite cinématique et on va s'arrêter ici. Alors tu... C'est drôle, je crois que t'as plus d'ennemis que moi là-bas. T'imagines vraiment que ce petit désagrément va suffire à m'arrêter? Bon, faut que je file. Eh, hey, bonne chance, Willy. Je crois que tu vas en avoir besoin. Crétin, c'est moi qui maintenais l'ordre dans cette ville. Tu verras, dans un mois, tu vas me supplier de revenir. Le Kingpin va aller en prison. C'est la fin d'une époque. Faudrait fêter ça. Ou peut-être bon, ouais, voilà. Vacances. Donc on a ce terrain de jeu, cette ville. Ah, on va gagner un niveau. Ok, plus de santé. On va aller voir, comme ça on va aller voir l'arbre de compétences. On s'arrêtera sur cette vidéo, pour cette vidéo. Et ensuite, moi je, voilà, je vais avancer dans le jeu et puis je vous referai une vidéo plus tard pour vous montrer un petit peu, du coup, ce qu'on peut faire. Et voilà justement l'avancée de l'arbre de compétences, tout ça. Donc, ok, ok, ok. Allez, laisse-moi tranquille. Donc, on a innovateur, défenseur et tisseur de toile. Donc, on a trois arbres de compétences, donc ce qui est pas mal. Donc, on a ouais, les missions ici, le perso. Je pense que c'est les persos qu'on rencontre et tout ça. Voilà, leur bio, machin. Et les techniques. Ok, donc ça, c'est toutes les techniques qu'on a là, qu'on peut faire. C'est déjà pas mal. Et je pense qu'il y en a d'autres à débloquer. Donc, compétences. Alors, maintenez... Oui, voilà. Maintenez triangle pour saisir, projeter les ennemis, entoiler et électrifier. Ah, c'est pas mal. Vous pouvez jeter sur d'autres ennemis ou les coller au mur. Ici, c'est quoi? Alors, bon... Lorsque le sens de l'araignée devient vieux pour contrer. Et là, maintenez carré dans les airs pour envoyer un puissant coup de pied. Je vais mettre d'abord celui-là. Et ensuite, je mettrai le coup de pied. Ah, il faut maintenir. Ok. Ouais, je vais... et ensuite, bon, vous voyez, bah voilà, ça va. Mais je vais mettre d'abord celui-là, et ensuite j'irai mettre celui-là. Mais ça se trouve, dans le jeu, on va gagner assez de points pour faire les trois arbres entièrement. Donc voilà, écoutez, on va s'arrêter. Là-dessus, pour cette vidéo. Je suis tout prêt. Bon, il va falloir que je m'y fasse un petit peu. Comme dans tous les jeux Spider-Man. Non, c'est trop dangereux. Ah, est-ce qu'on peut aller voir au sol ce qui se passe, l'ambiance et tout ça? Ah oui, on peut. J'adore l'enthousiasme du doc, mais ça a le don de lui créer des problèmes. Je vais bien me dépêcher avant qu'il se blesse. Il y a un mode photo aussi, normalement, comment on fait?
Ouais, voilà, il y a un mode photo sur lequel on peut faire énormément de choses apparemment. Voilà, on peut faire des selfies par exemple. Comment on prend la photo par contre? Bon, je ne sais pas. Bref, voilà, il y a un mode photo. Bon, écoutez, on va s'arrêter là pour cette vidéo et on se retrouve dans quelques jours pour une autre vidéo, je pense. Donc, je vous remercie. Je vous dis à la prochaine. Salut à toutes et à tous.